Donc, vous êtes revenu à Aria, en plein milieu du temple du dieu exilé. Donc, comme je vous ai dit, tous les prêtres du dieu exilé se jettent à genoux, parce qu'ils reconnaissent tout de suite leur dieu. Et il y a quelque chose de bizarre. Dehors, vous entendez des cloches sonnent. Il y a des cloches qui sonnent. Ils sonnent le glas. Ça arrive souvent que les cloches sonnent comme ça? Je sais pas à qui tu le C'est. demandes. Bah, au Dieu, parce qu'il sait tout. Hein. Le dieu exilé, il te dit, bah, je suppose que quelqu'un est mort. La reine. C'est Mousse. Reine. Bon. Eh ben, y a pas quelqu'un là, on le Ah, top bah et puis si, on lui il y a demande des. d'être mort. Je vous ai dit, il y a des Bah, prêtres du dieu voilà. exilé qui sont là, à genoux, Bah, qui moi, sont en j'attrape un train de. prêtre, pas. Tu les vois Je pleurer en m'approche du disant, ah, prêtre, quoique notre je dieu est de connais. retour, nos prières vont Celui que je enfin être connais, il y en a un, entendues. je connais. Ah, le Celui qui m'avait chauve. soigné, avec un Ouais. soin. Oui, bah, Je t'as. m'approche, j'ai dit, ah, et je lui montre mes mains, j'ai plus besoin de soi, tout va bien. Vous avez retrouvé le dieu exilé. Grâce à Pourquoi vous, nos prières vont être les. entendues. Pourquoi les cloches, ça sonne? Les cloches? Mais vous n'êtes pas au courant? Non, c'est pour ça qu'on vous demande. Eh bien, le prince Estienne est mort. Ah oui, si, on sait. Oui, si, mais on peut pas. Oui, c'est. On sait. Mais c'est il y a longtemps. Ah non, non, il est mort, on l'a retrouvé là, il y a 3 jours. Ah oui, il y a Ah. 3 jours. Hein. Oui. Ben, vous êtes très content. On a supprimé son assassin. Et il a été tué par une elfe noire d'Osmanli. Oui, bon. Enfin... Ils travaillent par groupe, hein, vous savez. Avec de la chance, elle avait deux dagues. C'est vous qui avez ramené le dieu exilé? Ouais, c'est Oui. nous. Mais vous êtes merveilleux. Mais Vous avez merveilleux, raison de nous le s'il dire, vous parce que plaît. lui, il nous le dit pas assez. Il a pas arrêté de dire que j'étais minable dans mon boulot protectrice. Et voilà, vous allez bien dire que je suis merveilleuse. C'est merveilleux, nos prières vont enfin être entendues. Et effectivement, tu vois que. Tu vois qu'en fait, le dieu exilé est déjà en train de répondre à des prières. Tu vois que des petits miracles qui s'accomplissent par-ci par-là. Il y a des gens qui étaient venus là pour être soignés, qui sont soignés. Il y a ce genre de choses. Ah voilà, tu fais prier. Oh bon, je prie mille. Ouais, et puis il y en a d'autres, ils doivent subir les épreuves, et puis hein, hein, c'est quand même, voilà, c'est pas juste. Bon, on se décide, c'est qui? Zayden? Qu'est-ce Désolé. Est-ce qu'il a un répondeur des prières à envoyer avant? Parce qu'une fois que je l'ai prié, il n'a jamais répondu et je me disais que peut-être. Ah non, 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 il était coupé. Dans sa boîte mail, il y a tout en non-lu. Sa boîte mail. Vous avez 150 milliards de Dans un messages film. en absence. La Bon. boîte était pleine, ça s'est arrêté. Hein, On va Je fais établir une le petite vote. prière pour qu'une bouteille de vin apparaisse dans mon sac. On va établir le vote. Rien Il y a du monde n'apparaît. là. Il y a 9 personnes. Du coup, pendant la pause, on s'est dit. Enfin, je sais pas si tu veux l'annoncer toi, Erkip. Non, non, vas-y. Alors officiellement, RP parlant, en fait, t'as Heisenberg et moi, on décide de. Pour Mousse. Alors, on a décidé d'élire le nouveau roi des rois. Soit on élit Mousse, c'est le petit gamin poilu qui nous a guidés à Arya. Soit on élit le petit garçon pauvre qu'on Zaman. avait, ouais, Zaman, on avait conté son histoire à Akaba. Et donc, on s'est dit qu'on pouvait vous faire voter, vous, les viewers, et on prendrait votre choix, comme argent comptant. Ah Mais non, non, Anna, désolé, il y a eu Anna. un Alors, veto de la 19 part étaient de. pour, mais il y a eu des levées de boucliers.
que non, fallait pas cracher lors d'un tribunal sur une certaine personne qui a failli être condamnée à mort à cause de... Je ne veux pas balancer, mais voilà. Seiden et Rebecca ont dit non. La pirate à l'entrée, le coup du témoignage, là, ça passait. Mais c'est RP, hein. Ouais. Oui. Eh oui, c'est le problème. Est-ce qu'il se rappelle seulement? Ah bah non, ça va être dur. Hein. Mousse, c'était alors, le... Mousse, c'est un petit Chewbacca d'Osmanli qui est tout simplement quelqu'un qui nous guidait. Dans Aria, quand on est arrivé la première fois à Aria, à l'époque il y avait Kairis. On lui a payé à manger et tout. Voilà. Et 19 le connaissait en plus, bien, parce que c'était un copain de camp, lui aussi. Et Zaman, c'était un petit garçon dont ses parents ont été tués par un scorpion géant. Il faut savoir que le dieu exilé, il a bien précisé qu'il accompagnerait le nouveau roi des rois ou la nouvelle reine des reines le temps qu'il soit formé, et après il deviendrait super vertueux et tout ça. Voilà, bon, c'est pour ça. Et puis, alors, il sera pas avec lui H24. Hein. Non, mais c'est pas grave, on compte proposer Zulia comme conseillère. Donc voilà, à vous de jouer. Ils veulent pas, vous allez être obligés de... Autrement, nous, on coupe. Hein. Nous, on vous propose. Hein. Ouais. Si vous voulez pas, nous, on décidera. À 3, on pourra pas avoir un vote. Ah, il y a des votes pour Mousse. Mousse. 2 votes pour Mousse. Mais oui. Moi, j'ai toujours dit qu'il faut une minorité ethnique. Ouais, on est 10, mais il y a moi dedans, tu vois, il y a toi. C'est moins 4, tu vois, ça fait plus que 6. Donc, ce sera Mousse. Mousse. Ah, mais on est dans un monde médiéval, Onyx Fen. Et puis, Onyx Fen, toi, tu voulais nous égorger. Voilà. Ouais, on en parle, hein. Voilà. Bah bien sûr, s'il est d'accord. Donc vous faites venir le petit Mousse. Quelqu'un va le trouver assez rapidement. Ouais, le dieu des dieux, le dieu... par exemple. Et vous lui confiez l'orbe et le sceptre. Sans surprise, il peut les prendre. C'est reste un enfant. Il a vieilli un peu parce que vous êtes parti. La première fois que vous êtes arrivé à Aria. Ouais, c'est un ado. Ça fait quand même quelques années. Donc, oui, maintenant il doit avoir. Presque 14 ans. Ouais. Ouais, alors, voilà. Il y a eu des rois bien plus jeunes que ça dans l'histoire. Donc, il comprend pas bien ce qui lui arrive. Bah, du coup, je lui explique, mais il me connaît pas, moi, donc peut-être qu'il n'a pas assez confiance en moi, mais je me présente à lui et je lui dis que il y a une grande responsabilité maintenant qui va reposer sur ses épaules. On l'a choisi pour être le nouveau roi des rois. Il va être formé par le dieu exilé ici présent, donc je lui montre, hein, je fais ça c'est un dieu, voilà, et qu'il faut qu'il rétablisse la paix dans tout le continent. Dis mais pourquoi moi rétablir la paix, je suis encore jeune moi, vous pouvez pas le faire vous? Oui mais justement, tu vas apprendre. Tu es quelqu'un de pur et d'innocent, et c'est quelqu'un comme toi qu'il nous fallait. D'accord, mais alors je pourrais manger tous les jours. Tous les jours, sans exception. T'auras des beignets au safran. Et du coup, le château, il est à moi maintenant ? C'est à peu près ça, je pense. Du coup, on peut aller au château, là ? Pas tout de suite. Pas de suite. Il faut d'abord qu'on le couronne. Ah oui, il faut la couronne. Mais le monsieur, il a dit qu'il allait... Il faut qu'on fasse tout le tralala. Enfin, il y a des papiers, il y a de la paperasse à faire, mais bientôt. Et
puis tu auras une conseillère, elle s'appelle Zulia, et elle est super. On va t'aider. Ok. Mais du coup, on va au château ou pas? Bah, il te faut la couronne. Une fois que tu auras la couronne. En même temps, on nous a dit que quand tu aurais l'orbe, tu serais sage et juste. Est-ce que tu es sage? Oui, non, mais je sens bien que c'est. Je sens bien que. Quelque chose se passe avec ces objets que je tiens. Là, c'est la puberté, t'inquiète pas, on y va. Je lui explique, je lui dis Mousse, faut savoir que c'est pas rien ce qu'on te propose là. C'est quelque chose d'assez important. Et ok, tu seras peut-être au château et tu manqueras de rien, mais t'as de très grandes responsabilités. T'auras des gens pour t'aider, mais c'est quand même de très grosses responsabilités. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Alors, tu lui fais de plus en plus peur. Ça reste un gamin. Et faut qu'il se rende compte, tu vois. Il y a 30% de chance qu'il accepte. Ok. C'est tout. Vous le faites flipper depuis tout à l'heure. Au début, il était content. Il pensait manger et s'asseoir sur le trône. Mais au plus tu parles, au moins il en a envie. Bah oui, mais il faut bien qu'il se rende compte de la chose. Je vais pas lui le foutre sur le trône et puis... Pour essayer de le motiver, moi je m'approche, je dis « Eh !» Et puis, vu qu'on t'a choisi, parce que toi, je connais la vie dans la rue qui est dure, etc. Et tu vas éviter ainsi à tout le monde de vivre la même chose. Ça, c'est cool quand même. Oui, monsieur le... Il dit oui, monsieur le robot, mais franchement, ça me fait trop peur. Oui, mais. Déjà, t'as des mains mécaniques, et en plus, quand tu parles, c'est robotique, alors du coup. T'as pas entendu ce que j'ai dit? Si, j'ai compris. Et il lâche les atours de la sagesse, il dit non, trouvez quelqu'un, moi je peux pas. Je suis trop petit. Bon, on va proposer à Zaman alors. Moi, je suis pour. Bah, on va avoir la même problématique, c'est que c'est un enfant, il est encore plus jeune, Zan. Non, mais il faut pas lui parler comme ça, il faut rien lui dire. Mais rien lui dire, mais... T'es mignonne, toi, genre, vas dans la fosse, et puis tu te démerdes. Non, la fosse... Je suis sûre que Zaman, il... Si Anna te dit pardon. Non. Bon, bah, si ça marche pas avec Zaman, on va voir Anna. On va aller voir Julia d'abord. Hein? Ah non, elle est bête. Elle est trop bête. Elle est innocente. On va épargner. Ah bah oui, dans le genre, je suis innocente. Ah non. Voilà. Zaman, à peine vous lui commencez à lui parler, on va dire que le dieu exilé fait apparaître Zaman. Et lui, par contre. À peine il apparaît, il se sauve en courant. Il prend peur, il comprend pas ce qui lui arrive. C'est niette pour lui. Ah bah attendez, il va être perdu en ville. Reviens. Tu vois, pendant qu'il est en train de partir, comprenez que le dieu exilé le re-téléporte à Akaba. Le pauvre, ça y est, il est traumatisé à vie. Ça c'est fait. Anna. Qu'est-ce qu'il nous reste comme choix à part Anna? Eh bien, si nous allions au château vous dit le dieu exilé. Ouais, on va au château. Ça sera déjà bien. Vous arrivez au château, vous entrez dans la salle du trône. Et sur le trône, apparemment en train de s'occuper des affaires courantes, il y a Clémotréherne. Ah, salut. Il vous dit bonjour, mais je vous ai déjà vu, non? Oui. Bonjour. Et il est là, accompagné de l'archiprêtre... d'Alpha Pizza, que vous ne connaissez pas. C'est le grand maître de la guilde des magiciens. De l'Académie de Magie d'Aria. Et Alpha Pizza voit le roi des... Non, le dieu...
je vais y arriver, le dieu exilé. Et il dit à Clémotréherne, et c'est le dieu exilé, et de retour. Je ne sais pas qui sont ces personnes, mais lui, c'est le dieu exilé. Et la dernière fois qu'on l'a vu, on lui avait vendu un artoir, je me rappelle. Vous avez vendu un artoir qui parle. Sauf nous. Et vous ramenez le dieu exilé, qu'est-ce qui se passe? Bah, vous vous doutez pas de ce qui va se passer actuellement. Mais écoutez-moi... Vous connaissez bien la légende. Oui, je connais la légende, mais moi, là, si vous voulez, la reine Oriane est partie, le prince Estienne est mort. J'essaye, comme je peux, de faire tourner la ville depuis. Qu'est-ce qui se passe? Le dieu exilé est là, on va avoir un nouveau roi, une nouvelle reine? Ouais, c'est ça. Voilà, tout à fait. Faut juste qu'on trouve qui c'est. Il se tourne vers le dieu exilé et il lui dit « Je pose humblement ma candidature. » Lol. Sûrement pas. Vous savez que cette décision lui revient pas à lui. Ben, un peu comme. Mais. Ah, il nous demande plutôt conseil à nous, tu vois. Ben, oui. Si on se décide pas, au bout d'un moment, il va bien falloir qu'il. Mais oui, c'est vrai, Seiden. Seiden. Je tire sur la manche, Seiden. Je lui demande de ce qu'il en pense, lui, de tout ça. Le dieu exilé, il sait pas omnisciemment qui est la personne la plus pure et la plus apte à recevoir la couronne. Eh bien, écoutez, je fais confiance à la lignée des protecteurs et à vous qui m'avez ramené ici pour trouver une personne juste. Après, si vous ne savez pas vous décider, peut-être que je trouverai quelqu'un, oui. Bah, c'est une décision dure à prendre, vous comprenez bien. C'est de lourdes responsabilités qui reposent sur de pauvres mortels comme nous. Clémotréherne est quelqu'un de bien? Je peux faire de lui le roi des rois? Non, il collectionne les hortoirs, faut arrêter. Quelqu'un, c'est pas quelqu'un. Il a un neveu à s'occuper qui est insupportable. C'est bon, on l'a ramené. Il voulait être pirate, on l'a traumatisé à vie. Et non. Non. Seiden. Oui. Oui. Anna, allez, viens. Mais c'est parce qu'elle t'en voulait. Mais si on discute avec elle et si on lui explique devant le dieu, elle va comprendre que finalement, c'est vrai qu'on est quand même pas tout blanc. Ah, elle a l'esprit tellement droit et tellement rigide. Ouais, mais ça va l'assouplir grâce à l'ordre de la sagesse. Je suis sûr qu'elle va être un peu plus souple. Et puis au moins, elle est pour la justice. Ça, c'est un point qui n'est pas négligeable. Oui, mais... Et on mettra Zulia comme conseillère. Elle a l'esprit rigide parce qu'elle est très, très rigide sur le fait d'être juste. Mais ce n'est pas quelque chose de mal, tu vois. Tu ne peux pas être... Chier. Mais en soi, si tu prends à l'échelle mondiale... Tu peux pas être juste en étant aussi rigide parce que c'est toujours au cas par cas. Tu peux pas comprendre les gens sans connaître leur histoire. Alors, à l'ordre de la sagesse qui va lui rajouter un peu de souplesse. Et puis, dis-toi qu'en fait, au tribunal, elle était quand même en train de dire oui, mais ils sont responsables d'un massacre de pirates. C'est pas tout à fait faux quand même. De toute façon, vous êtes deux à voter pour Anna, si j'ai bien compris. Vous n'avez pas besoin de moi, si vous êtes d'accord, vous. Ah bah non, si, il y a Heisenberg. C'est notre dernière chance, en fait, c'est la dernière solution qu'on a. Si t'en as une autre, moi je suis pour. Hein. Bah, il y a Julia. Non, elle est bête. Alors, elle toi, est pas tu bête. Parles de quelqu'un de rigide, l'autre, elle est bête comme c'est. Moi, je trouvais plutôt sympa. Je la connais pas très bien, mais elle m'a paru très prometteuse et elle a eu l'air d'avoir fait beaucoup de chemin depuis. Non, ouais, elle avait toujours pas compris que la reine l'avait envoyée. Et peut-être qu'elle avait pour pas se débarrasser d'elle. Et elle disait, non, elle est bête. Elle est bête. Elle a des œillères.
Peut-être. Mais justement, il y aura l'orbe de la sagesse, non? Ça va rééquilibrer un petit peu. Pas question. Elle est bête. Donc, le dieu exilé vous écoute. Il fait un geste de la main. Anna et Zulia apparaissent. Battez-vous. Ah, bah bien. Allez, discutez. Désolé. Non, ça dit trop, c'est quand elle parle, déjà, tout le monde va se foutre d'elle. Alors, laissez tomber, s'il vous plaît. Soyons sérieux. Zulia. Elles sont surprises. Elles vous demandent de... qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est là? Je leur montre du doigt le dieu exilé. Voilà pourquoi. Monsieur. Le dieu exilé leur explique la situation. Zulia dit « Alors moi, il n'y a pas de problème. Je suis sûr que je ferai une belle reine des rois. Une bonne reine des rois. Et je dirigerai ce royaume du mieux que je peux. » Et Anna, elle raconte quoi encore comme connerie? Et Anna, elle dit « Moi, ça me... » Écoutez, je vous explique. Moi, ça me dérange pas d'être reine des rois. Après, comment dire, ça me dérange un peu de me faire nommer par vous, mais je saurais oublier nos différends. Ça vous arrange mieux. J'essaye de... Bah, je leur fais tenir l'orbe pour voir si ça les brûle. Les deux, là, tiennent. Ok. Ah, ouais, on va poser une question simple qui chagrine parce que c'est vrai que voilà, on n'arrive pas à se décider. Si vous êtes reine des reines, parce qu'on peut pas dire roi, reine des rois, la reine des reines, si vous êtes la reine des reines, dites-moi, ben, à votre avis, vous seriez quel genre de reine? Qu'est-ce que vous feriez? Ouais, voilà, qu'est-ce que vous feriez? Parle à qui? À toutes les... Aux deux. Et ben Anna dit qu'elle ferait... Elle ferait régner la justice. Ça, c'était sûr. Et... Zulia dit qu'elle elle essaierait de faire de son mieux. Je préfère Zulia. Ouais, faire de son mieux, c'est bien, mais si c'est pas suffisant. Ouais, il y a quand même faire mon mieux. C'est humble. Bon, faut pas. Elle est humble et c'est une des meilleures vertus que tu peux avoir en tant que roi, et, roi ou reine. Est-ce que. Attendez, est-ce que. Pour voir, Silariel, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu nous regardes? Je vois que t'es dans le chat. Il est pas là. Oh. Il a plus envie de parler. Nous, bon, entre nous trois, votons. Parce que déjà, de toute façon, en fait, c'est même pas entre nous trois. Parce que on sait, Saiden va douler un. C'est le cul de poule, d'accord. Bah, elle aime bien les poules, Saiden. C'est normal qu'elle va voter pour la gallinacée, hein. Moi, je vote pour un homme, même si, effectivement, apprendre la justice, pour moi, une bonne chose. Alors, et il est 22h56, voilà. Si vous décidez pas, à 23h, on lance un des deux. Hein. Parce que, alors, on lance un des trois, parce que moi, je vais balancer un truc qui fait peur, mais... Ah, je peux te mettre le son, si tu n'arrives pas à te décider, on vote pour toi. Ah, ah si Lariel vote Anna. Ah, Anna! Ça veut dire que c'est moi qui vais décider là, si je vote. Si tu votes Anna, oui. Si tu votes Zulia, on lance un dé, ou alors toi, tu te proposes? Rebecca, reine des. C'est de la magouille, hein. Ouais. Parce que t'as tué personne, et merci de la magouille. Bah, c'est vrai que j'aimais bien Anna. Zulia, mais bon. Après, cette idée, elle veut dire que je l'ai trahi et tout. Je suis pas comme ça. Je suis un pirate. Si tu décides Zulia, bah on lance un dé. On lance un dé. Allez, je fais confiance à la chance des dés. Je peux lancer le dé?
Père Anna, impère Zulia. Peu importe le dès que tu jettes, de toute façon, il y a des pères et un père. Roulement de tambour. Elle espère faire faire un. Je lance un des deux. Je lance un des six, bah. Père, c'est donc Anna. Anna. Vous confiez l'orbe et le sceptre à Anna, le dieu exilé. Le dieu exilé lui donne sa bénédiction. Anna va s'asseoir sur le trône. C'est la nouvelle reine des rois. La reine des reines. Reine des reines, bien sûr. Quitte ce pays. Elle va nous faire jarter. De tout le continent. Mais non. Du coup, on va passer... Alors, il lui est censé lui filer la sagesse. Alors, on va peut-être quand même mettre de l'eau dans son vin. Mon cher. On va passer à une partie un peu... comment dire ? Comment il avait dit ça ? On prend de la hauteur. Vous voyez, vous êtes au-dessus de la ville. C'est un peu... On va jouer à Civilization ou à Age of Empire. Age of Empire. Comme ça. Et vous allez faire une petite partie gestion de royaume. Donc déjà, je voudrais demander au chat cette fois, s'il vous plaît, on va faire ça à la fibre tigre, est-ce que les caisses sont pleines ou pas ? T'as dit quoi ? Est-ce que les caisses sont pleines ou pas ? Ah, celui à un chandelier. Anna un chandelier. Anna vote pour que les caisses soient pleines, bizarrement. Elles sont toujours pleines, les caisses. Oui, c'est sûr. Surtout en temps de guerre. C'est réputé qu'en temps de guerre, les caisses sont pleines. Onyxion a dit qu'il y avait, qu'il y avait des sous. Allez, les caisses d'Aria sont pleines. Vous avez... Dans l'officiel, ils avaient 100 000 pièces d'or, mais vous, vous n'en avez pas 100 000, vous en avez 10 000. C'est déjà pas mal. Ah, ça va. 10 000 pièces d'or, c'est énorme. Bah, non. Alors, ça dépend où. À Akaba, 10 000 pièces d'or, t'achètes un chameau et... Ah, et c'est tout, quoi. Et deux outres d'eau, c'est tout. Il y avait quand même Astropathe qui, lui, aurait voulu vous mettre dans le... En caca tout de suite avec des caisses vides. Non. Vous êtes les conseillers particuliers de la reine des reines. Et il y a... Ah, comme quoi, elle nous a pas jarté comme des malpropres. Déjà, ça vous rassure. On n'a pas fini en prison, puisque quand elle a eu l'orbe et le sceptre, elle a pas dit « Allez, qu'on leur coupe la tête. Voilà, on n'en parle plus. On les met en cellule. » Absolument pas. En tant que reine des reines... Elle sait que il y a des choses beaucoup plus importantes à faire à partir de maintenant. Et elle s'y affaire tout de suite avec votre aide. Donc le premier à arriver dans la salle du trône, c'est un ambassadeur. L'ambassadeur de Kniga. Qui arrive dans la salle du trône, qui s'agenouille devant Anna et qui la félicite. Pour son accession au trône en tant que reine des reines. Et il lui dit... Alors écoutez... le royaume d'Aria... nous avait commandé un cristal de Kniga. Et il n'a jamais été payé. Donc j'aimerais que... la couronne s'acquitte de cette dette. Moi je pense que c'est que du pipeau tout ça. Anna se tourne vers vous. Il y a des preuves. Parce que à l'heure actuelle, il n'y a pas de cristal à rien. Donc, oui, mais la reine Oriane avait commandé un cristal. Il a été livré et nous attendons maintenant notre paiement. Si vous voulez, on peut négocier. La reine Oriane. La reine Oriane ne m'intéresse pas. Je voudrais être payé. Donc la dette est d'1 million de pièces d'or. Sinon, on peut négocier, si vous voulez. Vous avez un... Dans le nord,
un petit bout de terre qui s'appelle le gouffre de Stomos. On accepte aussi que vous cédiez ce lopin à Kniga en paiement de la dette. Mais attends, il y a un truc que je pige pas. C'est la reine des reines. Oui. Ça n'empêche pas que... C'est pas la reine d'Aria, c'est la reine des reines. Oui, mais la reine des reines, elle alors, peut... L'autre, il a beau avoir son lopin de terre, ça reste qu'elle va être la reine des reines. Oui, mais n'empêche qu'il y a quand même... Elle est au-dessus de tout, mais il y a quand même des souverains dans les autres pays. Elle peut édicter une loi, si tu veux, et dire « Maintenant, ça se passe comme ça, pas autrement. » Si elle décide de pas les payer, elle les payera pas, quoi. Ouais, ça sera terminé. Hein. Oui, mais ça reste que vous aurez de mauvaises relations avec et alors, pense quoi, Anna Nika. C'est quoi le gouffre de Ashana? Alors, Alpha Pizza vous explique que le gouffre de Stomos, c'est là où sont conservés tous les écrits qui sont jamais arrivés à rien. Tous les écrits sont conservés là-bas. En fait, quand un livre arrive à Aria, on le grave dans le gouffre. Et si, à la place de leur donner directement de l'argent, on rétablissait le commerce entre Akaba et Aria, ça ferait rentrer de l'argent? Je suis de Kniga, madame. De Kniga, pardon. Entre Kniga et Aria. Et nous faisons déjà du commerce entre Kniga et Aria. Nous, ce que nous voulons, c'est le paiement de cette dette. Est-ce que vous nous cédez ce gouffre? Ou vous nous payez? Anna, elle en pense quoi, elle? C'est quoi, d'après elle, le truc le plus juste? Eh bien, je pense que si nous avons acheté un cristal, même si c'est la reine d'avant, il faudrait essayer de le payer. J'ai bien conscience qu'on peut-être ne peut qu'on pas peut... le payer là, tout de suite. Ouais, peut-être qu'on peut créer une échéance et faire en sorte de le payer non, mais en plusieurs de fois. De payer, mais ouais, j'allais dire à crédit. Eh bien, écoutez, on accepte un crédit de 10 000 pièces d'or par mois. C'est faisable, ça? Bah, bien sûr, on a que 10 000 pièces d'or dans le coffre. Donc... Ok. Bon bah si c'est la reine qui décide. Bah non, pour moi il faut pas payer. Non, la reine ne décide pas. Hein. C'est pas PNJ qui va décider, c'est vous. Non, ouais, je suis d'accord avec elle. Moi je suis pour pas payer. Dire que c'était la dette de la reine Oriane, que le cristal livré est jusqu'ici un mythe, qu'il faudrait plus que des simples mots pour indiquer comme quoi il y a eu un cristal de livré. C'est jusqu'ici, voilà. Et s'il a été livré, on le rend. Le cristal en question. Sauf que personne ne sait s'il y a un cristal et où est-ce qu'il a été livré. C'est juste, pour l'instant, des... Au pire, bon. Il nous ramène la preuve. S'il y avait un cristal à Aria, il serait là, on le verrait. Eh bien, jusqu'ici, écoutez, vous avez... Parlez, vous n'importe avez... quel souverain peut venir et nous dire « Tiens, je vous ai livré une statue en or. » Bah, c'est bien. Vous avez la parole du prince Thiesne de Kniga. De plus, cette dame qui est ici, il montre Julia, était l'ambassadrice d'Aria à Kniga. Elle a été... D'ailleurs, elle devrait être en prison chez nous, d'après ce que je sais. Elle était accusée là-bas, on lui a montré toutes les preuves. Quoi, ce cristal a été commandé. C'est pas à elle qu'il faut montrer les preuves, c'est à la reine. Elle était ambassadrice à l'époque, mademoiselle. Donc, mais ouais. Vous ne voulez pas payer, très bien. Donc les relations sont mauvaises avec Kniga. Ensuite, il y a Ahmed Al-Rahman, l'ambassadeur du sultan Al-Mahdi, qui arrive. Il veut un milliard de pièces d'or. Non, lui, il paye ses respects à la reine Anna. Et il dit « Reine Anna, je suis très content qu'une nouvelle reine des reines arrive sur le trône. Je viens porteur d'un message de paix du sultan. Et j'aimerais aussi que nous signions un traité de paix. » Ah, et, très bien ça. Voilà.
Du coup, par contre, je vois que vous avez le sceptre. Du coup, la guerre qui a été faite par Arya à Akaba, vous êtes d'accord avec moi qu'elle est injuste, que nous n'avions pas le sceptre. Oui. Alors, où le sultan demande une petite compensation. Oh, il est riche, lui, c'est bon. Nous accepterions en compensation l'archipel des îles d'or. C'est quoi? C'est quelques petites îles qui sont autour d'Esperanza. Ah, bah ouais. L'île aux ours? Non, c'est pas ça? Non. Ah non, c'est l'archipel qui est autour d'Esperanza, oui, d'accord, ok. Bah moi je suis d'accord, je suis parfaitement d'accord avec ça. Ça me va. Et à l'heure actuelle, ça appartient à quel royaume, à l'heure actuelle? Bah rien. Ouais. Mais bien. Tout ça arrive avec les têtes des précédents rois, mais c'est complètement un peu con. Ça comprend Esperanza ou juste l'archipel qu'il y a autour? Ça comprend Esperanza. Ah oui, du coup ça pue la merde pour... Bon, toute la merde, jusqu'ici, ils étaient plus ou moins alliés. Hein. Je te rappelle. Ok, mais il faut pas qu'ils fassent de mal aux gens qui sont déjà présents sur... Mais ne vous inquiétez pas, vous savez, le sultan a toujours été pour la paix, il n'a jamais voulu de cette guerre. Bah, du coup, vous blanchissez tous les gens qui sont sur cette île. Alors, ouais, moi pour moi, il n'y a pas de souci. On peut rajouter des éléments au contrat. Parce que vous demandez des choses pour, en bonne intention. Histoire aussi de montrer que vous êtes de la bonne intention de votre côté. C'est normal. Prenez bien. Eh bien, dites-moi. Vous avez les îles. Vous avez, en vous donnant les îles, on vous montre que vous-même, vous êtes... un peuple noble qui avait rien à vous reprocher, c'est bien ça, hein. C'est bien d'accord. Effectivement. Et en tant que peuple noble qui n'a rien à se reprocher, eh ben vous abolissez l'esclavage dans votre royaume. Parce que je pense que c'est juste, hein, quand même. Ça montre en plus la noblesse. Je le tourne vraiment, tu sais. Ça montre votre noblesse. C'est votre. Parce que c'est un édit. De la reine des reines. Oui. Moi, je pense que oui. On vous donne les îles et vous abolissez l'esclavage. Eh bien, d'accord. J'enverrai j'apporterai ce message au sultan. Donc, les relations sont plutôt pas mal avec Akaba. Ah, j'allais dire, je pensais qu'il allait dire. Les relations sont pourries avec Akaba malgré que vous lui avez donné une île. Parce que... Donc, troisième personne à venir, Stan Pechbook, un garçon sûr de lui, mais qui finit jamais ses phrases. Il vient vous demander de l'aide. Il aimerait que vous lui prêtiez quelques mages d'Aria. Parce que sa suzeraine, dame Natalia la Rouge, seigneur du fief de la route du Ponant, a en effet assisté à des comportements étranges d'animaux. C'est-à-dire ? Eh bien, écoutez, les animaux... Le Ponant, c'est l'Ouest. On n'est jamais allé, on connaît pas, nous. Ça doit être vraiment paumé, votre trou, là, parce qu'on n'y est jamais allé. On a fait tout le tour du monde, et le Ponant, on connaît pas. C'est où, le Ponant ? C'est l'Ouest. À l'ouest, tout à l'ouest. À l'ouest, il n'y a rien, à l'ouest. Oui, mais là-bas, c'est pas marqué sur la carte, mais il y a quelque chose qui s'appelle... le fief de la route du Ponant. Et là-bas, ils ont des problèmes avec les animaux. Non, non. C'est quoi, l'ouest, c'est quoi non, comme problème couleur. C'est ça. Vers Val-Couleur. Oui. C'est quoi comme problème? Eh bien, écoutez, les animaux semblent être organisés en bandes. Et ils volent des choses qui ne sont pas de la nourriture. C'est des comportements très étranges. Et on aimerait que quelques mages d'Aria viennent enquêter. Ouais, moi je suis d'accord. Pourquoi des mages? On y va, non? Bah parce que c'est magique. Vous avez en tout et pour tout 100 mages à Aria.
Lui, il vous en demande 10. Il en veut combien? Ouah, ça va. Moi, je suis alors, d'accord. On envoie expressément le copain de Kairis. Ah oui, de... il n'y est pas. On lui dit de résoudre le problème priorité, des animaux. Il n'y est pas. Il contre... n'est pas là. Il n'est pas là. Ah, il est avec la reine. Ah, et c'est un méchant. Les méchants, ils sont pas là. Bah non, il faut envoyer un diplomate, faut pas envoyer des mages. Les mages, c'est pour le combat, non? Un diplomate? Bah oui, les animaux, s'ils volent pas des choses. S'ils volent, par exemple, une cafetière. Une théière. Pour utiliser la théière. Est-ce qu'on peut considérer que c'est des animaux? Ils sont peut-être pensants. Ah, oh, ça se trouve, c'est la confrérie du, du cochon. Confrérie du cochon? Bah oui, mais non, qui s'est parlé, ça se trouve, genre... Ah. Il a fait toute une... Mais oui! Mais oui! On l'a perdu en Paimon, c'est à l'ouest. Bah c'est oui, lui. C'est là. En train de faire un royaume. C'est comment il s'appelait? Il construit son royaume. Scruikruik. Comment il s'appelait? Luxixlis. Voilà. C'est lui. Mais il faut discuter. Bon, alors moi, je vais être mal barré pour discuter avec lui parce que... Non, mais ce qu'on peut faire, c'est... Si, moi, 19 l'aimait beaucoup. C'était Laura qui l'aimait pas, qui voulait en faire de la cochonnerie. Mais 19 était super potable. On envoie des mages, et en plus, on envoie un diplomate qui va aider et qui va essayer de comprendre la situation. Ok. Donc vous envoyez des mages avec toi. Et un diplomate. Non, non, on y envoie un diplomate. Et je pense qu'il faut discuter. Chère Anna, il y a un royaume. Non, mais ils ont besoin de mages parce que c'est des animaux, donc on leur envoie des mages. Et non, les mages, ils vont les cramer. Mais on en a 50, c'est bon, on en envoie 10, c'est bon. C'est pas 100. Bon. Mais non, mais ils vont les cramer, les mages. Ils vont les tuer, les animaux. Mais non, on leur dit bien qu'il faut résoudre la situation pacifiquement, c'est tout. Ah, moi, tous les mages que je connais, en général, ils brûlaient tout. Hein. Oui, bah oui. Bah, ils sont pas tous comme ça. Allez, au suivant. On avance un peu parce qu'il nous reste un quart d'heure, j'aimerais finir cette partie. L'ambassadeur de Varna. Bah, ils ont qu'à arrêter de poser des questions à plein de dilemmes. Un homme d'une cinquantaine d'années qui a pris un peu trop goût à la sédentarité, on s'en fiche. Il s'inquiète de la lumière qui est survenue en Osmanli et il vous demande d'envoyer toute votre armée pour renforcer le mur entre Varna et l'Osmanli. Enfin, entre Arya et l'Osmanli. Je pense que ça, on pourrait y aller, nous. Bah oui, mais il faudra quand même renforcer le mur. Donc oui. Alors, sachant que là, la reine Oriane est partie avec toute l'armée. Si vous voulez embaucher une nouvelle armée, vous me dites combien d'hommes et je vous dis combien ça coûte. 10 000 hommes pour 10 000 pièces d'or. Une pièce d'or chacun. Non, c'est 1000 pièces d'or, 100 hommes. Ah. Il en a besoin de combien déjà? Lui, il vous en demande 2000, mais il sait pas que vous en avez plus. Et il a pas un quota à nous donner, genre, combien il en veut, à peu près? Autant que vous pouvez. Et si c'est en sens, envoyer... Est-ce qu'on peut envoyer, nous, vu qu'on est quand même les libérateurs du Paimon? Eh ouais. Ouais, est-ce que nous maintenant compte... qu'on a, on lui avait promis de mettre une reine des reines ou une roi des rois au pouvoir, on envoie un diplomate au Paimon pour lui expliquer que c'est nous, demandons... maintenant son aide, après les avoir aidés, et pour amener des super badass du Paimon, des hobbits surdopés au mur en Osmanli, le temps que nous, après, on résout le problème en Osmanli. Ouais, on peut aller demander à Mona et on lui dit si elle peut nous aider. Et bien sûr, bon, il y a une compensation quand même un peu financière, faut leur donner à bouffer, mais au moins on a des guerriers, quoi. On sait qu'on a... On n'a pas les pécores qu'on va sortir de le port ferme ou faire comme le mec du rideau, envoyer les 4 premiers aventuriers qu'il trouve pour ouais, dire... et puis... Okay. Combien vous allouez d'argent pour ça? Ouais, c'est ça, genre, en sachant qu'ils viennent du Paimon, tu vois, 50, ça suffira, vu qu'ils sont stock comme pas possible, tu vois. Ah bah, pas 50, tu vois. Bah, la moitié de ce que... Mais moi, je dirais... peut-être bah, ça coûte cher, quand même, mais je sais pas, moi... 5000 3000. Non, mais 3000, c'est cher. Il a dit, tant d'hommes, c'est 1000. Ah ouais. Moi, j'espère avoir peut-être
1000 mon. Donc 5000 pièces d'or. Ok. Donc, Je sais pas. Vous faites ça. On fera un jet de mentir-convaincre pour voir si ils y sont allés ou pas. Bah, la diplomate qui va, c'est Kairis. Parce que... Enfin, pas Kairis, c'est Rebecca parce qu'elle a 90 en mentir-convaincre. Donc, ensuite, vous avez. C'est bon. Non, c'est pas tout de suite. Vous avez Alpha Pizza qui vous dit on est un peu inquiet parce que il y a une académie noire qui s'est implantée. Une académie noire. Oui, de mages noirs. C'est ce qu'ils m'ont proposé. Oui, elle s'est implantée dans Aria. Elle commence à devenir de plus en plus puissante et elle est dirigée par comment il s'appelait ? Dans le livre, il s'appelle... C'est la personne qui m'avait préparé. Non, justement, par celui que je voulais envoyer... mon pote Alexander, là. Alexander, voilà. Il dit, ça serait bien d'envoyer une vingtaine de nos mages. Très bien, ça me va. Allez, 30. J'en donne même 30. Ouais, c'est très bien. Okay. Allez, 30, oui. Ok. Effectivement, il faut résoudre le problème. Et qui nous ramène le leader vivant. Ça marche. Un envoyé d'Alta Bianca, il vous propose une fête de 60 jours, une fête, la plus grande fête du monde, dans 60 jours, pour fêter l'accession d'Anna au trône. Bah, faites votre fête, on sait comment ça se fête, mais nous on dépense pas un radis pour une fête, il y a trop de problèmes dans le monde pour... Non, mais on vous demande pas de dépenser, on vous demande juste d'être là. Hâte de revoir Anna toute nue. Ah oui, bah oui. Mais je sais où est le plan. Parce que eux, officiellement, c'était pas un royaume. Donc je pense qu'ils veulent être royaume. C'est là où est toute la question. Est-ce que vous viendrez ? Nous ? Oui. Ainsi que la reine. Parce que la reine. Alors, la reine, elle vient d'Alta Bianca en plus. Oui. Là, c'est vrai en plus. Alors. Chère reine, qu'est-ce qu'elle en pense ? La reine est d'accord. Ouais, moi aussi. Il collé. Ok. Est-ce qu'on va amener du vin ? Parce que la dernière fois... vous inquiétez pas, c'est nous qui régalons. Ensuite... Par contre, attention, il y avait un tulpa là-bas. Vous avez Younéos d'Ardouin. Un navigateur qui a découvert une île mystérieuse au nord de Kniga et qui vous demande si vous pouvez lui prêter une galère royale pour aller l'explorer, parce que selon ses sources, cette île serait recouverte d'or. Qu'il y aille. Hein ? Vous avez trois galères royales. Non. Bah pourquoi ? Ouais, c'est où son île ? C'est une expédition, c'est au nord de Kniga ou au sud de Kniga, je sais plus. Au nord de Kniga, effectivement, c'est Alta Negra, même si vous n'êtes pas censé le savoir. Ouais, c'est Alta Negra. On savait, parce que tu nous as raconté l'histoire du bateau fantôme qu'on a rencontré avec la statue d'or, ça venait de là-bas. Ça a l'air vachement sympathique, le truc plein d'or, avec des gens maudits. Non, on n'en voit pas une galère là-bas. Hein. Et on s'en fout. Ça peut nous rapporter de la thune. Bah, ça te rapportera rien, ça va mal finir, je te dis. C'est maudit, cette île. Faut pas y aller. Vous l'envoyez ou pas ? C'est maudit, mais ça, t'en sais rien. Bah si ! On a vu le bateau qui en revenait. On n'arrive pas à se décider. Tu veux ou tu veux pas ? Non, moi, je suis d'accord. T'es d'accord ? T'es d'accord avec qui ? Maintenant, faut dire un nom derrière. Je suis d'accord avec toi, Carthage. Ah, d'accord avec 19. Parce que Carthage, oui. C'est qui, Carthage ? Donc, 19, tu as le prêtre du dieu exilé, celui qui t'avait soigné à l'époque, qui arrive, et qui dit « Ma reine, le peuple est inquiet. Il a faim. La plupart des gens n'arrivent plus à se nourrir correctement, avec tous les problèmes qu'il y a en ce moment. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux ? C'est qui a dit qu'ils avaient faim ?
peuple de qui ? Arya. Arya, ok. Bah, on peut demander de l'aide à... au Paimon ou à Akaba. Mais l'aide d'Akaba ou des Paimon, vous ne pouvez pas faire quelque chose plus près d'ici ? Bah, en fait, que... On va demander au rideau qui nous envoie des vivres. Non, mais qu'est le peuple à faim parce qu'il n'y a plus assez de nourriture, c'est ça ? Le peuple à faim parce qu'il n'a pas les moyens d'acheter à manger. Ah. Donc il faut créer des emplois. Bah, oui. Eh ben, qu'ils viennent dans l'armée. Et puis ils seront logés nourris. Vous voulez faire une loi qui... Il est dit que chaque citoyen peut s'enrôler dans l'armée. Et quoi, sa famille sera nourrie ou seulement lui ? Ouais, je sa famille. Pas. Non, je sais pas. On n'a pas beaucoup de sous dans les caisses. Ben... Ouais, mais c'était... Ouais. Non, ça serait plus octroyer des terres supplémentaires aux cultures, peut-être. Pour qu'il y ait plus à manger. Ouais. On sait rien. Alors, le problème, ouais, c'est pas qu'il n'y a pas à manger. C'est qu'il y a beaucoup de misère. Eh ben, on peut autoriser le troc. Ou alors, on fait une... comment ça s'appelait la potée d'Anna. Ah oui, comme Akniga a organisé des repas... Le problème, c'est pas qu'il n'y a pas assez à manger, apparemment. C'est juste qu'ils n'ont pas la moyen de se... Alors on peut faire un truc comme quoi... Ok, combien de fois par semaine ? Bah, Knika, c'était combien de fois par semaine une fois ? Bah, Knika, c'était une fois par semaine. Ouais, c'est bien ça, non ? Ouais, bah... Tu n'as pas dit, bah attends, une fois par semaine, ils se nourrissent pas. Mais j'en sais rien, moi, j'ai du mal à voir le quota qu'il y a. Mais. Bah, deux fois par semaine, allez. Mercredi, vendredi. Donc, une soupe populaire deux fois par semaine, c'est ça ? Ouais. Organisée soit par les riches d'Aria, tu vois, qui pourraient à ce moment-là récolter, tu sais pas, des. Non, c'est à vous que ça va coûter de l'argent. Non, mais peut-être pas, tu vois, genre... Mais après, ça coûte combien par ce... Un des six. C'est ça ? Un des six par fois qu'on fait ? Non, si vous faites deux fois par semaine, ça va vous coûter un des six. Un des six fois 1000 ? Ouais. 4000. Ouais, bah, ça sera quatre fois par semaine. C'est quand même... Ah ouais, très bien. Il y a du monde à Aria, ouais. Mais... De quoi ? 4 fois par semaine et on paye 4000. Ça marche. 4000 par semaine ? Non, ça vous coûte 4000 pour mettre ça en place, on va dire, sur l'année qui arrive. Bah voilà, et puis dire au peuple qui... Voilà, après, je sais pas... Proposer... Oui, mais on peut proposer derrière, de on l'armée propose, avec. Bah, peut-être des postes dans l'armée, des postes aussi, peut-être, comment on dit, pour faire plus de nourriture, etc. Mais en fait, pour que directement, si on arrive à faire prospérer, il y ait plus de repas par semaine. Ok. Donc, dernière personne qui arrive, s'appelle Modaos. Non, pardon, Rolanda, une artiste de renom aux oreilles recourbées. Il propose à la Reine des Rois un portrait magnifique pour 100 pièces d'or. Alors non. Si ça nous compte dedans, pourquoi pas. Oui, c'est non, un portrait de la Reine des Rois et de ses plus proches conseillers. Ah. Alors, à Osef. Les gens meurent de faim, on va prendre un... Là, il vous reste 100 pièces d'or. Il vous reste 1000 pièces d'or. Bah non, ça sera écrit dans l'histoire, tu vois. Oui, bah, et il nous reste que 1000 pièces d'or et on sait pas, tu sais, hein, si le carrosse il tombe en panne, comment on va faire pour changer la roue ? Faut en garder sous le coude, hein, quand même. Et 1000, c'est plus grand chose. On fera plus tard. Bah voilà.
Quand le royaume sera prospère, tout le monde mangera tous les jours et pas que 4 fois par jour, on en reparlera du tableau. 4 fois par jour. On vous rappellera, madame. 4 fois par semaine. D'accord. Et enfin, la reine Anna se tourne vers vous. Elle vous dit, mes chers conseillers, j'ai une mission pour vous. Vous savez que la reine Oriane est partie en Osmanlie. Il faudrait que vous alliez à Varna. Vous allez rencontrer le roi Aksar. Vous lui demandez de l'aide pour passer en Osmanlie. Retrouver la reine Oriane et la couronne. Ok. Essayez de faire ça sans tuer personne. Alors, je la regarde. Sachez, ma chère Anna, que vous demanderez au dieu des dieux, dieu exilé, comment ça se passe. Mais moi, je tue parfois les toulpas. Et les toulpas, on ne sait pas que c'est des toulpas. Donc, hein, d'accord. D'accord. C'est compliqué, il vous expliquera. Si votre vie est en danger, vous avez le droit de vous défendre, mais essayez le plus possible d'être pacifiste. D'accord. Bah, vous nous connaissez. Je serai là pour... C'est pas parce que je vous ai enlevé une fois... Nos actes. Ok. Donc pour ça, je vous donne... je vous octroie des chevaux et un carrosse pour aller à Varna en passant par Rideau. Je vous donne aussi un mandat portant mon sceau royal pour le roi de Varna. Et je vais faire une lettre portant mon sceau pour la reine Oriane, pour lui expliquer la situation et lui demander de rendre la couronne. On ne sait jamais si ça peut se passer si de manière... Vous pensez vraiment... Hein, nous, on l'a rencontré, la reine Oriane. Vous pensez vraiment que... C'est une enfant pour y gâter. Eh bien, écoutez, essayez de faire ça de manière diplomatique. Si elle tente de, si elle tente de fuir, on peut la capturer. Je vous laisse juge de vos actions, mais n'oubliez pas d'être juste. Ok. Ça va être ça, sa phrase de Reine des Reines. Ah, n'oubliez oui. jamais d'être juste. Non, mais ce que j'aime bien, c'est que tout le reste des merdiers, c'est à nous de décider en tant que conseiller et nous envoyer à Babalouet. Moi, ça avait l'air vachement bien d'aller négocier pour les animaux. Vous n'avez pas plutôt négocié pour les animaux plutôt qu'aller... Et on va s'arrêter là pour ce soir.